t'accompagne pas dans ce chemin? Comment te l'expliquer? Je pense que tu n'as plus besoin de moi maintenant. Je devais guider tes pas vers cet homme et je tiens vraiment à ce que tu m'accompagnes. Est-ce que cela t'est vraiment impossible? Dit Angèle, d'autant que je suis sûre que mon ami ne connaît pas cet endroit. Oui, Angèle a raison. C'est très gentil à vous, ma petite fée, de m'avoir permis de retrouver celle que j'aime. Nos chemins se sont éloignés, juste par orgueil, et je reconnais que je me suis trompée. Angèle était mon étoile, mais je ne la voyais pas. Angèle, je vois bien que cela te tient à cœur. Je vous propose à tous deux de m'attendre ici. Je dois prendre conseil auprès des êtres suprêmes de la nature. S'ils me donnent leur autorisation, je pourrai te guider pendant quelque temps encore. Quelques minutes plus tard, la plus petite des fées réapparut dans la rue dans la main de la jeune femme. Il m'autorise, Angèle, à poursuivre le chemin avec vous deux. Ne perdons pas de temps. Scheherazade se trouve aux mille et une lumineuses. C'est un bel endroit, les mille et une lumineuses? Demanda Angèle. Oui, c'est un lieu enchanteur, répondit la plus petite des fées. Issue d'une légende ancienne, il y a très longtemps, une belle princesse s'ennuyait dans son vaste palais. Alors, pour s'évader, elle passait ses après-midi au bord d'une cascade, d'où s'écoulait une eau pure. Bonjour! La princesse leva la tête et regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne aux alentours. Bonjour, tendit-elle de nouveau. Qui me parle? Moi? Regarde bien, lève la tête un peu plus haut. As-tu des lunettes? Si tu les as, fais attention à tes yeux. Je ne voudrais pas que tu deviennes aveugle à cause de moi. Alors, tu me vois? Qui je suis? Le soleil. Alors, tu l'aimes, le soleil? Oh oui, tu es aimé de tout le monde. C'est gentil. Mais tu sais, parfois, ma lumière peut être dangereuse pour certains enfants. Oui, comme les enfants lunes, qui auparavant sortaient la nuit et se protégeaient tout le corps en enfilant des gants et une combinaison spéciale fabriquée par la NASA. C'est vraiment difficile pour eux au quotidien. Ce qui est certain, c'est que tu brilles, et parfois tu brûles un peu trop. Tu voudrais pas me faire attraper un coup de soleil, par hasard? La princesse riait aux éclats, et son rire toucha le soleil en son centre, et sa lumière resplendit encore plus. Aujourd'hui, j'ai envie de briller pour toi. Tu es une belle princesse. Comment t'appelles-tu? Jasmine. Jasmine. Oh, c'est un joli prénom, s'exclama le soleil. Je me souviens qu'avec l'auguste communauté des anges, ainsi réunis, ils m'ont soufflé ce prénom à l'oreille. Je l'ai tout de suite aimé et je te l'ai donné. C'est impossible, répondit Jasmine. Le soleil est une étoile, il n'a pas de prénom. Lui-même est... Comment ça, le soleil n'a pas de prénom? Moi aussi, j'ai un prénom. Je m'appelle Sam.